J-moins 6. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Bah, deux abrutis qui sont dans l'eau, je vais vous les montrer. On a essayé de pousser l'ancre en... Enfin, pousser le bateau en... Pousser le bateau en dehors de la crique. Sans l'ancre. Ils ont essayé sur bien 20 mètres. Bon, en fait, c'est le vent qui les a portés, hein. Ils ont rien fait, eux. Le courant les a emportés. Ils n'ont rien fait, c'est le vent qui les a portés par là. Jordan! Jordan mort! Bon, là vous voyez quand même que Minou est un petit peu plus supérieur. Hein. Mais là faut rien dire. Hey! Bien le bonjour! Bon, je sais que Pilou vous a dit déjà bonjour et que je vous ai dit bonjour dans l'eau, mais je vous redis bonjour. Donc nous voilà dans la réserve naturelle de. De quoi Pilou? Nous t'écoutons? Istri. Réserve naturelle d'Istrie pour ces beaux récifs. On en a vu aucun. Voilà, non, mais en fait, c'est sous-marin et en fait, c'est les petites îles à visiter. Ok, bah admirez les îles dans ce cas. Non, c'est les îles, en fait, c'est à l'intérieur. En fait, tu peux le faire que à pied. Ah, ok. Et en gros, t'as une petite balade là, à trip et bah, tu vois plein de trucs. Bah, ça peut être sympa à faire aussi. Hein. Donc là, on va rejoindre la terre tout là-bas au loin. Vers Zadar, histoire de faire le plein et tout ce qu'il faut, parce que le plein en effet on est très très juste comme je vous le disais. Là on est à la moitié et on a presque plus que le chemin qu'on a fait depuis les dernières stations essence. Mais ça c'est trop loin. Donc on serre les fesses. Arrivé à Zadar. Arrivé à Zadar. Je l'ai niqué. Vas-y, vas-y, tu peux. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh. Arrivé à Zadar. Waouh. C'est la plus grosse île, c'est ça? Enfin, l'une des plus grosses îles, la plus grosse île qu'on va visiter. Voilà, que nous on va voir, ce sera sans doute la plus grosse. Voilà. Le VGK, on la verra pas. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh la merde, c'est un petit yacht ça là-bas, il est nul. Ouais, on est d'accord. Hein. Oh. Ah, mais ils doivent se faire chier dessus. Ils ont même pas de piscine dedans. Les pauvres, alors que nous on a une piscine intégrée. Ah oui. Attends, nous elle est plus grande que la leur en plus. Hein. Nous elle est plus grande que n'importe laquelle. C'est vrai. Même l'homme le plus riche du monde ne pourra pas avoir une aussi grande piscine que nous. On a décidé de s'installer dans la marina de Zadar, parce qu'en fait c'est une grande ville. On a décidé que ce soir, bah, pour en profiter vraiment à fond, on irait au restaurant, vraiment visiter la ville de nuit. Comme on peut difficilement naviguer de nuit, on a décidé de rester là. Sauf que là, on a un petit problème. Bah, mes chers collègues sont allés voir et apparemment, on n'a pas les bons papiers. Enfin, ils veulent pas de ces papiers. On a tous les papiers qu'il faut, mais ils veulent pas du papier qu'on vaut. Bref, apparemment, il faut une carte blanche parce que notre carte bleue d'identification du navire n'est valable que dans l'euro. Voilà, dans la zone euro. Alors, ce qu'on pourra faire. Et sinon, bah, on doit partir, et puis tant pis. Hein. Donc en fait, il s'avère que c'est une nouvelle réforme, sans doute on n'était pas au courant, donc on n'a pas vraiment les bons papiers. Mais Pilou a fait les yeux doux, et du coup, c'est bon, on a réussi à passer. Ils ont accepté, parce que c'est une réforme très récente, je suppose, et du coup, ils sont encore très tolérants. Donc l'année prochaine, si je le refais, je saurai qu'il faut ces papiers, mais autrement, il n'y a pas de souci. Hein, Jordan aussi, il a fait les yeux doux, genre il pleurait, voilà, il lui a fait ça, du coup, ça passait très crème, du coup, le gars, il a eu pitié, et puis... Il a dit c'est bon. Tout se passe bien, gnocchi à l'eau. Gnocchi à l'eau. On essaye, hein. Après, on est des pirates vu qu'on n'a pas les bonnes cartes. Jordan, tu peux nous expliquer ce qu'on a fait à la marina s'il te plaît? Donc on est allé à la marina avec un papier que Julien Minou nous a donné et nous a confirmé que c'était bien. Donc on est là-bas, le mec sort. Non. Donc on va quand même vérifier derrière qu'il n'y a pas de flotte qui soit rentrée. On redemande à Minou Julien pour. Pour demander s'il a un autre papier, il sort non, c'est ce papier. Donc on va là-bas avec la pochette, on lui redonne tout, il sort non, c'est pas bon. Donc à la fin, Pilou l'a fait sa tête de déprimé. Voilà, de déprimé. Et donc après, le mec il a eu pitié, donc il a dit c'est bon. Mais il était un peu vénère quand même. Un peu vénère. Et puis ensuite, départ, qu'est-ce qu'on devait faire hein? Et après, les gnocchi à l'eau là pour bien nous faire chier jusqu'au bout. On a eu la carte d'immatriculation du bateau pour redonner au gars là-bas. Donc moi je marche comme ça avec Pilou à côté de moi.
Et donc je vois dessus qu'il y a marqué un submersible. Donc depuis le début de l'aventure, Minou, Julien, il nous dit que le bateau ne veut pas couler même pendant la tempête et tout. Ah ouais, il est incoulable le bateau, hein. Un submersible, voilà. Mais c'est toujours il vrai. Le confirme toujours que c'est totalement faux sur la carte grise du bateau qui est totalement officielle. Non. C'est une impression qu'on a fait. Oui, une impression, une copie. Oui, c'est une copie de nous. Mais donc la vraie, c'est aussi nous. Non. Sur cette carte grise, il y a marqué. Insubmersible, non. Voilà, non. Exactement. Hein. Merci, Pilou. Insubmersible, c'est juste pendant un certain temps. Il y a un trou dans la coque, on coule au bout de 5 minutes, voilà. J'avais pas tort. L'aventure continue. Ah, mais décoller, merde. Voilà, on a. Minou, les machins, ils sont collés. Mais ça colle, j'arrive plus. Petit peu que ça cuise d'abord. Et une fois qu'on s'est bien cuit et bien imbibé d'eau, donc on la met d'abord dans une casserole. On le fait chauffer quelques minutes. Attention. On voit les là. Les gars, il va falloir mettre rassos tomates pour pas avoir le goût de ce truc. Hein. On voit. Ça va, j'ai jamais fait gnocchi. Je sais même pas que ça se fait à la poêle. Ils me le disent, c'est une fois que je l'ai mis dans l'eau. C'est à la poêle, ça se cuit 2 minutes. Là, on est à 15 minutes et le machin il a encore plus gorgé d'eau. Regarde, hey, en vrai, on pourrait mettre la sauce tomate, on pourrait mettre un petit peu d'olive, on pourrait mettre un petit peu de jambon et ça ferait une pizza. Hein. C'est un pain, c'est un pain. Arrêtez, c'est du pain, les gars. En plus, ça sent le cramé. Non, mais arrête, ça va encore finir, on aura plus rien à graille, fais pas le con. Non, on dirait des putains de crêpes. Non, on pourra plus manger. Le machin, d'un seul coup, il se barre. Bon, bah, comment dire, on a encore perdu un morceau. Je vous présente la douchette. Et voilà. Donc, en fait, c'est le bout de métal qui a cassé, tout simplement. Voilà. Elle nous voit, je vais aller. À quel point le ciel est bas. Ce sera la fin de notre reportage. J'ai les mains sur une là, c'est la fin. Les gars, plus rien ne marche. J'espère que ça vous aura quand même plu. On en a bien chié. En fait, maintenant, je sais pourquoi je tremble. Parce que je suis tellement énervé que mes mains tremblent. Ne casse pas la caméra, s'il te plaît. C'est tout ce qui reste. C'est la seule trace de notre périple qui restera gravée à jamais sur YouTube. Donc voilà, les gens, ça m'a fait plaisir tout ce que vous avez fait. Hier encore, t'as fait plaisir de. Vous avez rien fait, mais regardez, vous avez bien moqué de nous, oui, bon. Ça m'a fait plaisir quand même de faire un petit peu ce truc, ce voyage, le vlog, tout ça. Et encore, il reste 6 jours. Oui, en fait, là, on parle comme si c'était la fin, mais il reste encore 6 jours, les gars. Non, non, c'est pas fini, hein. J'ai ça, enfin. Là, c'est un petit peu le moment de battre, donc je fais genre, c'est la fin. Vous m'en voulez pas, j'espère. Donc là, on va enfin visiter Zelda. Quelques trous dans le bateau, on coule à moitié, mais tout va bien. Non, il y a eu juste des petits problèmes électriques en gros. Bah Minou dit qu'on a quelques trous dans le bateau, il va bientôt couler. Voilà, non, non, on est en train de couler, nuance. Mais il un est petit insubmersible, feu. T'en fais pas. Oui, oui, ça m'étonnerait même pas. Oui. Il est insubmersible. Tu sais comment il a cuit les gnocchis Minou ce midi. Plutôt à 14h. Oh, oh, non, à 4h. À 4h, on vient de bouffer il y a une heure. Il les a mis dans de l'eau. C'est très bon les gnocchis à l'eau, alors arrête. Oh, arrête un peu Minou. Petit port de pêche. Azada. Bah il fait beau hein. Ouais. Il fait 32. Il fait 32 degrés. Ouais. Actuellement il fait 32. À 17h. En vrai j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non mais il n'y a rien du point de vue chicha. Ah mais ça faut chercher après. Oh là là, vous êtes servi hein. Bon bah écoutez, on s'est fait plaisir, ça y est, on a acheté la chicha. Alors fumer c'est mauvais pour la santé, c'est pour ça qu'on a pris du sans nicotine. Non, c'est parce qu'elle avec ça en vrai. Mais très franchement, moi je préfère ça encore. Voilà, voilà, parce que avec ça gratte un peu la gorge, donc c'est vraiment bien. C'est pas addictif et ça te bouffe moins la santé. Donc après toutes nos galères, j'avoue que ça nous remonte un peu tous le moral, je crois. Moral remonté à l'idée. Moi je veux de l'alcool. Donc je vais pas vous le conseiller, on verra ce que ça donne. On a pris goût lemon et... Et X on the beach. X on the beach, on ne sait absolument pas ce que c'est. Bah ça doit être un sex on the beach, mais un peu modifié. Donc, je vous montre encore le paysage et on se retrouve ce soir pour la chicha. Bon, tout s'est bien passé, on a écopé le bateau, oui, parce qu'on avait quelques centimètres, hein, à cause des mini-fuites, mais c'est rien de grave. Bonjour, à la vôtre. Alsacien et Rémois, là on voit toute cette différence. Nazdorovia. Alors ceci est la vitesse réelle, je tiens à préciser, hein, je n'accélère pas les choses. Je dirais trop qu'il mange en accéléré. Hein. Vitesse posée. Plus les gars, à la vôtre.
rentrer. Pour pas changer. Ouais, là on entend un peu. Mais en fait, c'est... on va faire tomber la caméra dedans. Ouais, là on l'avait entendu. Ça c'est. Non, ça c'est la mer grâce au vague qui monte et qui descend. En fait, c'est une répercussion de son et le son. Qui a de l'air qui monte et qui descend et ça fait ce bruit. Et ça fait cette douce musique qui est franchement sympathique. Il y a pas mal de monde. Konnichiwa. On est en Croatie, tu crois? C'est Kvala. 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 Ça veut dire merci. Hein. Ouais, mais bon, ici. Y a... Doberdan, c'est bonjour. Et David Genia, c'est au revoir. Voilà, comme ça, c'est les bases. Let's go. C'est bon. Stop, 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 pas trop, pas trop. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Un minou, là c'est bon, là tu la poses. Hein. Tuto, comment fumer la chicha. C'est sérieux. Voilà, on en arrive là. Oui, bah cherche-moi ça. Et c'est parti. On va s'amuser. Première soufflée. Et t'inspires de l'air. Faut pas crapoter. C'est là où t'inspires le plus encore. C'est sur cette magnifique vague de fumée qu'on se dit à demain. Ciao, ciao.